Bonjour, alors scandale d'État dans la presse télévision suite à l'émission d'hier des 12 coups de midi. Alors, concours fatal, donc Marius a été opposé donc, à Paul, donc bon, bah, au début ça se passait plutôt bien, après bon, Paul se comptait sur la question de Le Corbusier, comme on a dit que c'était à Nice, mais je crois que c'était à Marseille, et puis après donc il y a eu cette fameuse question qui était quel musée parisien était auparavant une gare. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu le quai d'Orsay. Il y a un tollé dans la presse, oui, comment dire, Jean-Luc Reichmann a validé une fausse réponse, etc. Bon, je suis désolé, il a dit Orsay, comment dire, pour moi, c'est, on va dire, ça passe. Et puis, bon, comme, de toute façon, comme Marius, le pauvre, il n'arrêtait pas de passer, ben voilà, bon, c'est passé pour Paul et c'est passé aussi pour Marius. J'ai trouvé que le petit scandale que balance un petit peu la presse télévision en ce moment sur cette question, c'était vraiment c'était un peu du n'importe quoi. Donc bon, de toute façon, comme on peut voir, il restait encore plus de 26 secondes à Paul. Donc bon, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc voilà. Et puis bah, la presse télé, vous pouvez, ça serait sympa de parler un peu de mes t-shirts au lieu de dire un peu du n'importe quoi. Donc pour les gens de la presse télé qui viennent regarder mes vidéos, donc il y a plein de t-shirts de Paul sur mon site www.dremilion.com. Allez, bon, bah, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé de la journée. Allez, à plus tard.